Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Black Clover Mobile. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos. Vous pouvez tout retrouver sur mes playlists de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et tout ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler du fragment de souvenir. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais déjà montré comment récupérer le fragment de souvenir du monde 1. Hop, le fragment de résolution persévérante. Et voilà, je l'ai fini. Donc voilà, je vous ai montré comment et où obtenir tous les fragments. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer les fragments du monde 2. Voilà. Qui se nomme Obstination de génie. Alors, on va voir où c'est qu'on peut les avoir et comment les avoir. Alors, ici, il faut aller ce qui reste dans le coffre au trésor éparpillé près de l'entrée du donjon. Donc en fait, quand vous allez jouer la mission principale, vous allez arriver... Hop, je ressors. Ah, je vais arriver. Ah. Entrée du donjon, voilà. Ici. Vous rentrez à l'intérieur, il y a pas mal de petits coffres. Je vais rentrer à l'intérieur. Il y a pas mal de coffres et de boîtes, de caisses. Vous voyez, comme la caisse qui est en face. Voilà. C'est une mission principale. Dès qu'elle vous fait arriver là-dedans, vous pouvez bouger. Vous voyez, il y a des coffres comme ça. Vous rentrez dedans, vous n'avez plus qu'à fouiller un petit peu toute la salle pour avoir des fragments. Vous en trouverez même deux, je crois. Parce que là, c'est un coffre trésor. Donc, il faut chercher un coffre trésor dans ce donjon-là. Après, attendez, je regarde s'il n'y a pas un autre. C'est lequel? L'entrée de donjon. Vérifiez ce qu'il y a dans le coffre au trésor. Donc il y a deux coffres qui sont à trouver. Une fois que vous avez trouvé les deux coffres dans l'entrée de donjon, vous l'aurez. Donc c'est pour celui-là qui est le numéro 9 et pour le numéro 1. Voilà. Vous allez là-dedans, vous cherchez des coffres. Il y en a deux logiquement et vous trouverez ce que vous cherchez. Après pour le fragment numéro, je regarde. Et là, c'est. Eh ben, il faut en profiter. C'est l'entrée du donjon aussi. Il faut casser les bois. Donc ça par contre, si jamais vous arrivez, vous cassez toutes les caisses en bois et que ça ne marche pas, c'est normal, vous n'aurez pas forcément du premier coup. Si vous avez le premier coup, vous aurez de la chance. Sinon, il va falloir passer partout et rechercher tous les coffres qu'il y a partout. Donc là, je regarde si j'ai quelque chose, là il n'y en a pas. Donc il va falloir que j'aille aux autres coffres. Et il faut répéter l'action plusieurs fois. Pour essayer de trouver ce qui vous manque. Donc là, il n'y a aucun coffre. Donc il n'y a qu'un seul à l'entrée. Et après, les autres doivent être en bas. Non. Et non, il n'y a pas d'autre coffre. Donc il n'y a qu'un seul coffre. Donc il va falloir que vous reveniez régulièrement ici pour trouver le fragment. Alors c'est exactement pareil que pour le premier monde. Les fragments, il y en a un à casser dans la ville basse. Et au bout du deuxième ou troisième jour, j'ai réussi à l'avoir. Donc là, il faudra revenir régulièrement dedans pour le taper. Vous revenez une fois par jour, vous tapez et vous l'aurez sûrement le niveau 8. Je regarde s'il n'y a pas encore de donjon. Non, il n'y en a pas. Ok. Après, donc je ressors. Donc toujours pour les fragments. Il vous demande pour le 2, explorer la frontière du royaume, le monde inconnu. Frontière du royaume. Alors. Hop, je regarde. Est-ce que c'est pas le nom? Frontière du royaume. Ok, c'est ici. Donc en fait, il faut que vous explorez. Donc ça veut dire, il y a écrit,
explorer la frontière du royaume dans le monde inconnu. Donc le monde, le frontière du royaume, c'est là où je suis actuellement. Donc c'est le monde 2. Donc c'est toute cette carte. Là, je vous montre en grand. C'est toute cette carte. Voilà. Donc en fait, il faut vous balader à droite, à gauche, pour trouver des mains, des petites mains qui vous donnent des petites récompenses. Alors là, moi, je les ai faites tout à l'heure. Normalement, je crois que je les ai faites tout à l'heure. Normalement, je n'aurais pas en trouvé d'autres. Je regarde, non, il n'y a pas d'autre place. Donc là, vous ne pouvez pas y aller. Donc il faut chercher des petites mains, mains vertes si je me souviens bien, ou bleues. Et à force, vous trouvez ce fragment numéro 2. Pour le fragment numéro 3, vous pouvez obtenir les récompenses précieuses en participant à une patrouille dans le donjon espace déformé. Donc l'espace déformé, patrouille, je me trompe à chaque fois, c'est ici. Espace déformé, ici. Donc en fait, il faut faire donjon, et avec une chance, vous aurez trouvé le fragment qui vous manque. Là, c'est juste en farmant le donjon que vous le trouverez. Après, donc là, c'est vous pouvez obtenir une étonnante récompense en participant à une patrouille dans le donjon espace oublié. Je crois qu'il y en a un autre, non? Non. Donc espace oublié, c'est celui-là. Vous devez faire la même chose. C'est faire le donjon plusieurs fois, jusqu'à que vous l'ayez. Voilà. Donc là, je vous ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est espace oublié, donc c'est celui-ci. Donc le 5. Un chevalier mage est responsable du combat entre Mars 4 des niveaux chapitre 2. Combat contre Mars 4. Alors. Est-ce que c'est là-dedans? Parce que là, il vous montre des niveaux du chapitre 2. À mon avis, vous le gagnez automatiquement. Je pense que c'est le combat que vous faites contre Mars dans la mission principale, chapitre 2. Je vais voir si je peux le voir. Chapitre 2. Alors, où c'est qu'on voit les chapitres déjà? Alors. J'essaie de vous retrouver les chapitres. Voilà, chapitre 2, le 4, combat contre Mars. Vous devez trouver. On va voir. Après, il y a tellement de petites missions. Donc c'est épisode 4, on va voir. Non. C'est pas là-dedans. Et à combattre contre Mars. C'est le trésor. Donjon. Combat contre Mars. Battez Mars. Donc ça va être celui-là, épisode 5. Vous le battez ici dans la mission. Logiquement, c'est ça. Le chevalier mage est responsable du combat contre Mars 4 dans des niveaux du chapitre 2. Donc vous, logiquement, vous faites les missions principales et vous le trouverez automatiquement. Voilà. Celui-ci explorerait le monde gigantesque de la frontière royaume. Donc c'est ce que je vous disais. Vous vous baladez à droite, à gauche pour trouver les fragments. Donc là, je ne sais pas si on peut regarder... Non, on les a pas comme ça, je peux pas vous montrer les fragments en question. Normalement, c'est vous balader, vous cherchez les petites mains, fort à mesure, vous les trouverez. Donc voilà, donc celui-là, je vous les ai montré. Le 9, donjon, et il reste que celui-ci. Pêcher à la frontière au royaume les plus stimulants. Donc en fait, il faut aller au niveau de la pêche. Et là, à chaque fois que vous aurez des hameçons, vous viendrez ici pour pêcher. Et comme vous le voyez, vous avez le fragment qui se trouve ici. Voilà. Donc vous pêchez. Ici, hein, seulement. Et vous pourrez trouver le fragment qui vous manque. Donc voilà comment avoir les 9 fragments de Obstination de Génie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous le trouverez.
N'hésitez pas à vous abonner, pardon, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne gamme, et on se retrouve bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao.